l'ambiance de l'équipe de ce Virunga de Goma qui vient de se qualifier pour la Linafoot lors d'une compétition qui s'est déroulée à Kindu, la capitale provinciale du Maniema. Comme vous le voyez, les joueurs sont à bord du bus du Captif qui est le patron de cette équipe. C'est l'alliance à Goma car Goma est qualifié pour la Linafoot. Les motards, membres fans club du Virunga, ont abandonné leur service pour accueillir joyeusement leur équipe. Juste après leur arrivée à Goma, c'est la quête qui s'organise au village Tchoukoulou de Goma. Oh.
Cherche vert blanc de Goma. Le coach de l'équipe va s'adresser à la presse. La presse attaque avec les questions. Bonjour. Bon, leur dire merci. Ils se sont mobilisés. C'est leur équipe, ils aiment leur équipe. Donc, nous, on a fait notre travail et aussi devait faire les leurs. Donc, nous leur disons merci pour l'accueil. Oui, c'était. On s'est fixé un objectif. Donc, chaque fois, quand je passais sur les médias, je le disais toujours, Virunga doit rentrer à la ligne à foot cette année. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. On s'est mis au travail, on a mis la rigueur dans le travail. Donc, on a mis aussi la sérénité. Et c'est cela qui a payé, et ce qui a donné à ce qu'il y a à la ligne à foot cette saison. Alors, vous allez jouer le premier match contre l'Est de Vous savez, nous allons avoir au moins trois jours de repos. Donc la journée de lundi, mardi, mercredi, donc on va reprendre les entraînements. Donc nous allons encore une fois nous atteler. Nous sommes à la ligne à foot. Donc il faudra encore beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens pour voir comment affronter cette phase préliminaire de la ligne à foot. Oui. Vous savez, dès le début, quand on s'est fixé l'objectif d'aller à l'INAFOOT, on savait à quoi s'attendre. Donc les problèmes d'administratif et d'affiliation, ça va être réglé parce que le grand souci était que Virunga rentre à l'INAFOOT. Donc Virunga devra mettre aussi tous les moyens pour que Virunga reste à l'INAFOOT et pour que Virunga représente valablement la province du Nord. À part les athlètes, à qui d'autre vous adressez vos remerciements et encouragements? Oui, mais c'est un remerciement au comité sportif qui a donné le meilleur de leur-même. À tous les mécènes, les dignitaires de l'équipe, notamment le président Moussa Ngaya, le président Vani, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner pour que l'équipe rentre à l'INAFOOT. Donc nous leur disons merci du fond de nos cœurs. Nous disons merci à tous les athlètes qui, dès le début de l'année, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils se sont signés un objectif. On devrait rentrer à l'INAFOOT. Ils ont joué un championnat local. Ils ont terminé avec le maximum de points, avec 36-36. Ils ont remporté le championnat provincial et ils viennent de remporter le préliminaire. Donc je leur dis merci. De mon cœur. Donc, je remercie aussi tous les fanatiques qui ont contribué et qui ont donné de leur âme pour que Virunga rentre à l'INAFOOT. Sincèrement, c'était un problème de vol. Vous savez, on voyait toujours le lundi et le samedi, donc deux fois par semaine, et l'avion fait les pleins. Et donc, pour avoir une place, c'est pas facile. Mais Virunga ne peut pas être au niveau des difficultés jusqu'à ce qu'il y ait manqué les billets. Virunga avait les billets, mais il y avait un problème de place. Oui coach, vous avez remporté le préliminaire et vous passez tout droit vers la LINAFOOT. Est-ce que vos ambitions s'arrêtent seulement de rentrer à la LINAFOOT ou vous promettez au moins de bons résultats aux fanatiques de Virunga? Vous savez, nous on avance toujours étape par étape. Si je dis aujourd'hui que Virunga va remporter la LINAFOOT, c'est faux, il faut être sincère. Donc Virunga n'a pas les moyens de remporter la LINAFOOT, mais Virunga a les moyens de se maintenir d'abord à la LINAFOOT. Donc cette saison, nous allons jouer pour le maintien. On va voir qu'est-ce que nous voulons avoir, mais dire que nous allons remporter la LINAFOOT, c'est faux, on n'a pas ces moyens-là, mais nous avons les moyens pour nous maintenir à la LINAFOOT. Donc cette saison, on doit jouer le maintien d'abord. Avec l'effectif que Virunga aujourd'hui, vous allez aborder bien le championnat que vous allez. Je n'ai jamais été un grand. Je suis toujours fidèle à ma philosophie. Les jeunes qui ont remporté les préliminaires, ils sont bons, mais c'est vrai, il faudra ajouter un ou deux joueurs pour encore nous donner du nouveau souffle. Donc il y aura deux ou trois joueurs qui vont apparaître pour renforcer l'effectif que nous avons. On reprend les entraînements les jeudis. C'est moi qui vous remercie. Le nom coach. Coach Todé Paris Diary Club Virunga.